بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابيت 331 باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. Chapitre lo, la prohibition par un droit d'écrire mahasin al-mar'a. Al-mar'a, c'est une madame. Mahasin, c'est une bonne quelque chose de sa madame. Alors ici, il peut faire référence à sa beauté ou soit une les autres quelque chose qui est bon avec lui. À un djimoun, à un monsieur. La prohibition qui un djimoun a décrit une madame dans un détail, expliquer comment elle était, sa beauté, comment elle était, la qualité qu'il y en a, comment elle était à un monsieur. À moins qu'il y ait une raison, une nécessité pour faire ça. Elle a un objectif shari'i, ça veut dire qu'il est approuvé par shari'a. Ka nikahiha, par exemple, nikah. Par exemple, si un garçon bien le marier avec il décide pour lui le marier avec un petit fille, il faisait prendre une décision, donc il est là, s'il n'est pas, il n'a aucun moyen pour trouver cette fille là, alors capable d'écrire il est comme ça, il est là, il est capable de décider seulement ça, ou soit ben, les autres raisons comme ben, on l'a mentionné pour l'esclavage, tout ça, mais ça n'est pas appliqué dans nos époques. Alors un seul hadith, il y a dans sa chapitre hadith 1744 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أبوتي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجي لا تباشر المرأة المرأة أن مدام فدي با لفي مباشرة avec un autre madame. Alors مباشرة qui veut dire باشرة لي sorti dans le mot bashara qui veut dire la peau. Donc littéralement, et ça aussi c'est un meaning là-dedans, qui une madame ne faudrait pas les tous avec une madame avec une la peau pas tous contre l'autre la peau. Une madame après il y a le décrit elle. Une madame a un droit tous avec une autre madame. Par exemple un monsieur avec une madame غير محرم pas un droit toucher, pas même il y a un droit shake hand ou ça faire la bise tout ça là. Mais madame il y a un droit. Mais seulement, quand madame là, elle touche sa madame là ici, elle trouve, par exemple, sa complexion pour une madame, ce qui nous est capable de dire attirant, ce qui je trouve intéressant, ce n'est pas tout simplement ce qu'il trouvait. Ça veut dire, elle est jolie, elle est comme ça, elle est de telle façon, décrire un trait visuel. Mais elle est aussi dans le toucher, par exemple, un nouma, comme un ulama dit nous. Qui madame là, elle a un soft touch par exemple, elle a une description comme ça qui dit mon donné. Alors la complexion et le toucher aussi, les comptes là-dedans. Donc quand une madame une récit gagne ça, une récit qu'on l'une trouvée, qui était madame comme ça, après qu'elle fait, il y a le décrire ça à un monsieur. Ça appelle ça bashara yubashiru. Donc une madame, il ne faudrait pas lui faire ça concernant l'autre madame. Bashara. L'ivédia aussi, comment dire, gagne quelque chose directement. Par exemple, dans nos langages modernes, un quelque chose qui moubashir veut dire un quelque chose qui est en direct. Par exemple, une transmission, une transmission, nous trouvons une écrit moubashir, ça veut dire live transmission, il est en direct. Alors, une madame qui gagne contact direct avec une autre madame, donc capable de trouver, ou soit de gagne, de toucher, de gagne une information, l'eau sur beauté, l'eau sur complexion, l'eau sur. Ben, quelque chose qui est intéressant, qui est attirant avec lui. Là, il explique ça à un autre monsieur. Il décrit ça à un monsieur. Alors, ça n'a pas rien droit. Qui fait, comme on l'a dit à nous, ça, les comment dire, Michel a peut-être lui-même. Alors, nos hadiths continuent. Fa tasifaha li zawjiha ka annahu yanzuru ilayha. Et là, hadith là, il spécifie une affaire. Madame là, il décrit ça à qui ça là, à son propre monsieur. Il trouve une autre madame qui est jolie, qui est intéressante, qui a une bonne qualité, tout ça là. Qu'il fait, il décrit ça à son monsieur. Qu'il fait, pas supposer, parce qu'il Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il a. Il dit que monsieur là, il trouve ça l'autre madame là-même. Alors, comme on nous connaît,
Donc, monsieur là, pour les guettes, ça, l'autre madame là, il n'est pas bon, il est haram. Il amène beaucoup de mauvais quelque chose, il déclenche un sentiment qui n'est pas correct, il amène fitna, et à cause de ça même, il n'y a pas eu un problème dans le couple. Alors, quand on peut décrire lui, il dit comment dire, monsieur là, peut guetter lui-même. Et quand monsieur là, peut guetter lui, donc, comment nous connaît le cerveau, ben quelque chose qui amène sa poison là, comment nous dire. Dans les cas du monde, la qui incite ben du monde virginia et na lisier et na oreille tout ça là, mais na aussi l'imagination, hein, comme un scientifique dit nous, l'organe sexuel qui plie compliqué c'est l'esprit, le cerveau. Alors pas mettre ça devant Saint Michel là, faire sur l'esprit, imaginer, faire lui, comment dire, il peut trouver lui-même. À ce là quand un monsieur normalement il trouve ça en dehors, il gagne une description en dehors, il entendait en dehors, lien des affaires. Mais quand il y a ça, depuis son propre madame, là, il est plus grave encore, parce que ça même, une façon de dire, ça même boye là, la madame là. Mais ça boye là même qui amène sa information là, devant monsieur là, donc là, il n'est plus pas bon encore. Ben, les autres leçons qui nous tirent là-dedans, Manu Lama, dit nous, qui, à cause ça, il est bon, qui, ben, madame, qui chasse, qui yatawarra'na, comment il fait, qui n'a warra'a, qui n'a taqwa dans eux, ben, bon madame, qui pour couvrir, qui pour empêcher. Ben, les autres trouvent autre chose. Donc là, nous retournons vers un principe de base qui est une madame, comme le Coran dit, min zinatihinna, zot zina, ça veut dire zot embellissement. Tout ce qui est joli avec zot, qu'il est visuel, soit qu'il est avec le toucher, qui est capable d'attirer, qui est capable de mettre fitna dans les cœurs un monsieur étranger, alors il faut les couvrir tout ça. Il ne faut pas les disparaître. Se beauté en déo avec un monsieur étranger. Il ne faut pas que quand Michel a fait lui, quand Michel a trouvé lui, il peut, sur l'esprit pour le virginal, il peut attirer, il peut n'avoir. Nous déjà expliquons ça longuement quand nous faisons hadith, le rigor, tout ça. Ça, c'est le principe de base. À ce là donc, madame là, il peut couvrir, il peut prendre des précautions. Il n'est pas pour gagner un contact physique avec un monsieur, il peut faire une façon que un monsieur peut détourner notre rigor depuis lui. Mais à ce moment-là, il ne faut pas aller dans la présence de madame, qui lui connaît cette madame-là, ben attaqua. Cette madame-là, pas pour faire attention. Qui, quand je te trouve, lui, je te trouve, comment dire, lui display sa beauté vis-à-vis de lui. Dans une certaine mesure, il y a un droit, parce qu'entre madame et madame-là, il n'y a pas d'un minimum, il peut couvrir. Et il y a le display sa beauté avec lui, de là, cette madame-là, lui connaît cette madame-là, lui ben attaqua. Ou ça, sa madame là, elle est content causer ça, elle est content comme ça. Alors, madame là, qui vous fait, vous prend ça, elle est fan partout. Il est capable de raconter ça dans les autres messieurs. Alors, ça, nous devons faire beaucoup attention. À ce là dans nous, l'époque, vous connaissez quand Imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il a compris ce livre-là, vous pensez, l'Ina, c'est un quelque chose sur la tête là. C'est un problème qu'il peut dénoncer là-dedans. Là. Il met ça dans ce livre, dans l'époque tienne. Aujourd'hui, nous avons un problème qui tient à l'époque là. Parce que madame, monsieur, les messieurs, quand même, qui qualité l'époque qui était. Mais seulement dans l'époque, il y a une ouverture. Il y a une fitna qui vient, un moyen qui vient, qui fait ce danger-là plus grave encore. Qui fait ce moyen, quoi, vers Zina-là, plus grave encore. Il y a un moyen technologique, il y a social media, tout ça. Nous prenons l'exemple d'une caméra. Alors là, nous cause une madame qui peut trouver beauté sa madame-là, qui peut le décrire ça, un monsieur, ce monsieur. Donc ça, nous pouvons empêcher ça. Aujourd'hui, pas besoin de madame qui décrit. Tout simplement, avec une photo madame-là, mettre ça devant un monsieur. Il fait même affaire. Qu'est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ka'annahu yanzuru ilayha. Comment dire, monsieur-là, il trouve-lui. Alors, il ne faut pas madame-là le décrire une autre madame. Comment dire, monsieur-là, il trouve madame-là. Ici, on prend une photo, pas une bizaine de madame dans l'entremise, non. Et on prend une photo, on met devant sa Michel, les peut trouver. Alors ça, c'est un autre moyen pour amener Zina, pour comment dire, planter la graine Zina dans l'esprit Mandimoun, pour faire Mandimoun faire péché. Alors nous besoin d'être bien. Quand nous mettons une photo partout, tu restes. Nous avons une caméra dans nos portables, une caméra dans un gadget, une partout. Qu'est bien qui nous peut faire avec sa photo. Hein, nous prenons ce hadith-là comme base, nous tirons une leçon pour nous qui peut vivre dans cette époque-là. Et là, Zimoun, il fait ça malheureusement pour sa propre madame. Il tire une photo sur madame, sur ses filles, sur ses affaires privées dans la case, il y a le display ça sur les social media. Alors, je me dis,
qui bénéfice ena pour prendre ou madame ou mettre ça aux social media chez les public social media Facebook WhatsApp ou soit les autres qui bénéfice ena qui sont là qui peut ça combien millions de monde qui peut potentiellement peut ça est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça pas mettre ou madame ou petit fille aux enfants c'est pas au ban privé la case c'est pas comme profile picture ou soit finir une fonction côté ou une famille venir ou finir faire un contentement alhamdoulillah on tient un peu photo mettre ça au Facebook faire tout petit monde gété ou envie porter ça avec un proche avec vous ok ça une affaire mais aller montrer ça tout côté du monde là n'est pas bon donc nous guette bien avec photo qui nous tirer vidéo qui nous filmer hasta là et là man par exemple caméra surveillance et la fois où gagne man du monde là donc aussi vous vous inquiétez même si pas où qui tient photo là qui pas où qui filme ces affaires là n'a pas retransmettre aussi vous connaît telle photo là telle affaire là ça et la famille du monde là non et la madame du monde là non là pas besoin de retransmettre pas besoin de share pas besoin de réavouer là parce que qui vous peut faire là vous peut prendre sa madame là vous peut mettre ça devant un monsieur étranger est-ce qu'il en vit un maillon dans la chaîne qui puis amène vers sa péché là est-ce qu'il peut en vivre un moyen pour que sa monsieur là il fait péché avec son regard nous besoin d'être bien donc une fois beaucoup de affaires comme ça une fois il a une affaire un news important une passée une vidéo une vini seulement là-dedans il y a une madame qui est indécent qui peut causer ça qui peut décrire ça nous préférons pas transmettre lui d'accord monsieur là il peut écouter lui information importante là mais en même temps il peut guetter sa madame là mais c'est là envie guetter qui dit envie guetter qui dit pas envie guetter ça c'est le problème il pour répondre devant là mais faut des pas qui où viennent un moyen pour faire lire ça et la fois man poste islamique même peut montrer et la fois montrer que ça une madame il embrasse l'islam alhamdoulillah est bien content c'est moi il montrer madame là bien maquillé tout il montre sur photo c'est moi la différence c'est qu'il met un hijab là qui fait bien la photo là question posée qui fait bien faire madame là maquillée si elle se photo elle met ça là devant un million de monde est-ce que ça n'est pas amène fitna alors nous connaissons combien de monde qui pour lire ce qui besoin lire ou soit qui pour guetter ce qui besoin ce qui pas besoin guetter combien de monde qui pour attirer avec sa poste là juste pas parce qu'il titre là il intéresse lui ou soit petit paragraphe là il intéresse lui parce qu'il trouve sa photo là là c'est ça qui fait lui clic là touche là combien de monde comme ça alors faut pas nous vienne man moyen ici Rasoul Allah salam peut dire faut pas madame là il décrit une autre madame à Saint-Michel-là, comment dire, Michel-là, il ne faut pas nous aussi, nous commencer à madame là, qui est supposée d'écrire là. Nous pouvons prendre pas ici, nous pouvons mettre là-bas pour que tout le monde fasse zina avec le ligier, soit pour rentrer dans mon péché. Et tant que possible, donc, nous protège, nous couvrir, ban madame, musulman, nous, ban sœur en islam, même ban qui pas trop prend compte ce qui est besoin de couvrir, ce qui n'est pas besoin de couvrir. Nous connaissons, madame là, elle n'est pas content de couvrir. Mais c'est moi, ça pas une raison pour qui nous aller à le disséminer, bonne photo. Alors, nous disons que bien nous aussi, qui nous fait. Et une fois, naïvement, nous faire bonnes affaires, nous faisons une mauvaise intention, mais seulement nous pas réaliser qui est capable d'amener un mal. Alors, nous disons intelligents, nous assisons, nous pensons bien avant ce qui nous peut faire, surtout avec bonnes affaires qui nous connaît capable de sortir en dehors contrôle. Bonnes affaires qui, une fois qu'on faire ou ça on dit ou ça on envoyé ou pas pour capable de rétracter ou pas pour capable de répondre. Alors nous disons assise bien, pense bien, réfléchis bien. Et surtout nous posons nous la question de la nécessité de quelque chose. Si moi pas t'envoyer ça, qui problème? Ah, tu connais aucun problème. Mais seulement si moi pas envoyer lui, qui problème ça capable créer? Donc ça ramène nous vers beaucoup quelque chose, vers le pourquoi devant quelque chose, devant le règlement. Et là nous retourne vers un principe de base. C'est qui nous trouvait ici Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il coupe le mal depuis sa racine. Et là, je suis capable de dire qui est là-dedans. Non, mais ça qui est là-dedans, là, qui était ça, c'est une racine ou un mal qui est capable de venir après. On peut trouver qui est capable, juste sa madame-là, naïvement, il peut raconter son camarade, mon petit jeune, mon camarade, il est comme ça, à son monsieur. Finalement, il peut faire un propre problème, il peut faire un problème dans son propre ménage. Alors, coupe le mal depuis sa racine. N'a pas laissé gangréner, il est là après, il vient en déo contre. Alors nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous sagesse, donne-nous compréhension, que Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous, nous bonne madame, nous bonne sœur, nous bonne maman, nous bonne fille, donne-nous wara,
donne-nous ta croix, nous préserve ce qui nous vient préserver, et qui nous pas à le faire dans quelque chose qui est capable d'amener le mal, qu'il y ait avec l'intention, ou soit sans l'intention, ou soit même naïvement. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réfléchir et agir intelligemment, avec sagesse, et que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les gens du bien, dans lesquels les fins vers ce faveur. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.